Good morgen, allez, Yiden, les tu seras aujourd'hui, les Lonish Matricharon, Ben Fortune, Mazal Claude, Israël Ben Fortune, Mazal Rosette, Batsultana, et Lirfuat, et Avraham, Ben, Yitzhak, et Fanny. Le Tor Charpol Israël, si vous souhaitez vous citer une prochaine Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Souka, Perek Dalet, Mishnah Hei, Mitzvat Arava Keitzad, Makom Haya le Matam Irushalaim, Venikra Motza. Yordin Lesham, Omelaktin Misham, Merubiyot Shalarava, Ubain Vezokvinotan, Betsidei Hamizbeach, Verasheen Kfufin Algabe Mizbeach, Takru, Veheriu, Vetakru, Bechol Yom, Makifim et Mizbeach Pamachat, Vomrim, Ana Hashem, Hoshia Na, Rabbi Yuda Omer, Anivahu Hoshia Na, Votoa Yom, Makifim et Mizbeach, Sheva Peamim, Bishat Pitiratan Men, Omrim, Yofilach Mizbeach, Yofilach Mizbeach. Rabbi Eliezer Omer, Leka Valach Mizbeach, Leka Valach Mizbeach. On commence à traduire directement Mizvat Arava Keitzad, comment réalisait-on la Mizvat de la Arava. C'est-à-dire les deux premiers mots du chapitre, c'était Lulav Arava. On précisait le nombre de jours, c'est en vigueur pendant 6 ou 7 jours. Après, on a expliqué de manière générale comment c'était le Mizvat du Lulav pendant 6 jours, le Mizvat du Lulav pendant 7 jours. Et idem pour la Rava. Après, on a expliqué plus concrètement comment réaliser la mitzvah du Lulav à l'époque du Beth Amikdash. Maintenant, on s'intéresse à la mitzvah de la Arava du Beth Amikdash. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce qu'on fait avec la Arava, c'est le 7e jour à Hoshana Rabba, c'est en souvenir de ce que nos ancêtres faisaient au Beth Amikdash, ou de ce qu'on fera Bezrat Hashem bientôt, quand le Beth Amikdash sera reconstruit. Et ouais. Nous, aujourd'hui, on prend la Rava. Alors là, vous allez voir, je pense qu'on va découvrir quelque chose de super. Une marloquette dans la Mishnah qui va nous expliquer pourquoi il y a deux minags différents entre les Ashkenaz et les Sfarad. C'est en fait la vie de Tosot et la vie du Rambam, comment expliquer cette Mishnah. D'accord? On va voir tout ça, les Antachem, pour le moment, je commence. Donc, comment se présentait la Mitzvah de la Rava? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Makom haya le matam Yerushalayim. Il y avait un lieu, un endroit, en dessous d'Yerushalayim, Venikra Motza, il s'appelait Motza. Entre parenthèses, quand on arrive à Jérusalem aujourd'hui, on arrive à côté de Motza, Motza Ilit. C'est probablement le même endroit, ça correspond tout à fait, parce que de là-bas, il y a beaucoup de Arava, Behemet. Donc, ça s'appelle Motza. Le nom Motza, littéralement, ça a été exclu. En fait, c'est parce que c'était un endroit qui était exempté des taxes. Motza, la tête, c'était sorti. Et donc, il y avait donc cet endroit là-bas où il y avait de l'Arava qui poussait. Yordin et Lesham, on descendait là-bas, ou Melaktim Misham Merubiyot Shel Arava, et on cueillait de là-bas des Merubiyot Shel Arava, alors des Merubiyot, c'est des grandes branches de Arava. En fait, c'était des branches qui faisaient Esser Ama, 5 mètres, 10 coudées. Et Ubaïn Vezokun Otan Betsidei Amisbeach. Et on les apportait à Jérusalem, au Beth Amikdash, et on les mettait sur les côtés du Mizbeach. C'est-à-dire qu'en fait, et Verachéen Kfufin Al-Gaba Mizbeach, et leur tête se recouchait sur le Mizbeach. C'est-à-dire qu'en fait, on avait le gros Mizbeach qui faisait une hauteur de 9 amas, une amas de socle, et après ça monte pour encore 8 amas avec les 4 coins. Ça atteignait 10 amas avec les coins. Seulement les coins, ils étaient que dans les coins. Il y avait des. Comme ça, le Mizbeach, c'était un grand cube, et il y avait ça montait en dénivelé, comme ça, et tout en haut, il y avait sur les quatre coins, il y avait une hama sur une hama, tous les quatre coins. Donc en fait, le Mizbeach, il avait concrètement une hauteur de 9 hamas. On posait les branches de Arava, de la sole, les grandes branches de 10 hamas, de 5 mètres, on les posait sur le socle, donc on avait déjà gagné une hama. Il fallait, ça remontait en fait, ça remontait, ça recouvrait comme ça tout le Mizbeach. Et ça se repliait sur le Mizbeach. Comme le Mishnah a dit, Verachen Kfufin Al-Gabe Mizbeach, et leur tête se repliait sur le Mizbeach. D'accord? Ça, donc, on apportait donc les Arava et on couvrait le Mizbeach. Extérieurement. On l'encerclait, on l'entourait. Ensuite, Takou Veriou Vetakou. Une fois qu'on avait fini de faire ça, alors on sonnait du chauffard. En Tkia, Troa Tkia, ça veut dire un long son. Un nom coupé, saccadé, et puis après, un nom son, comme ce qu'on a l'habitude de faire à Rosh Hashanah.
En guise de simcha, il fallait le faire. C'était pour montrer la solennité et joyeuse de l'ambiance. C'était Sukkot, c'est un moment où il y avait plein de simcha, comme ce qu'on découvrira plus longuement ensuite. On va se concentrer sur le cinquième périple de Sukkot. On va mettre le paquet sur la simcha de Bet HaShoeva, qui est en rapport avec toutes ces mitzvot. Ça, c'était le petit matin, une fois qu'on avait fait la fête toute la nuit. On conclut avec ça. Donc, on sonnait le shofar, et après. Alors, regardez, c'est là où ça va devenir intéressant. Becholéom Akifin, tout intéressant. Mais c'est là où on va découvrir la fameuse marloquette avec Rambam et Tosot. Becholéom Akifin Mata Misbeach Pamachat. Tous les jours, on faisait le tour du Misbeach une fois. Veomrim Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Atznichana. Ou encore, Rabbi Yehuda, il nous dit Ani Vahu Oshiana. Je vais expliquer après c'est quoi ces phrases, mais pour le moment, je continue pour la suite. Veotoayom, mais ce jour-là, c'est-à-dire le septième jour. Le septième jour de Hoshana Rabba, il y avait encore plus de mitzvah de la Rava. Alors, Makifin d'un mizbeach, Sheva Peamim. On faisait le tour du mizbeach pendant 7 fois. Je m'arrête là et j'explique un petit peu mieux ce qu'on a vu. Il y a écrit là qu'on faisait le tour du mizbeach. En fait, on faisait le tour du mizbeach en chantant Ani, Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Atzlichana, ou Ani Vahu Oshiana. On va expliquer c'est quoi ces phrases exactement. On faisait le tour du Mizbeach. Qui fait d'abord le tour du Mizbeach? C'était pas tout le monde. Il n'y a que les Kohanim qui peuvent entrer entre le Mizbeach et le Echal. Le Mizbeach, vous savez, quand on entre, je rappelle, on avance en direction du Maharav, depuis qu'on est à l'extérieur, on commence à rentrer dans Harabait, après on commence à rentrer dans les Ezrat Nashim, après on monte les escaliers, on arrive au Sha'ar Nikanor, là on entre dans les Ezrat Israël, 11 Amas, après il y a les Ezrat Kohanim, encore 11 Amas, de là-bas débute le Mizbeach, 32 Amas. Après, il y a, entre le Mizbeach et le Echal, 11 amas de nouveau. Comment c'est dispatché, c'est toute une histoire. On avait appris tout ça dans Midot. Et concrètement, pour ce qui m'intéresse, quand on fait le tour du Mizbeach, on va être obligé de passer à un moment entre le Mizbeach et le Echal. Là-bas, Israël n'a pas le droit d'entrer, c'est que les Kohanim. Donc du coup, ceux qui faisaient le tour du Mizbeach, c'était les Kohanim. Avec quoi ils faisaient le tour du Mizbeach? Alors là, c'est là où il y a la discussion entre le Rambam et le Tosfot. Selon Tosfot, on prenait ces branches-là qu'on avait mises sur le Mizbeach. Alors je ne sais pas exactement dans quel ordre ça se passait, mais en tout cas, on les prenait, on faisait le tour du Mizbeach, et on les remettait, ou bien est-ce qu'on commençait par les poser, puis après on les prenait, on faisait le tour. Ça manque un peu de précision. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est qu'on faisait le tour du Mizbeach avec la Rava. Selon le Rambam, non. Tu amènes les branches de Rava, tu les mets sur le Mizbeach, et on faisait le tour avec le Lulav. De nouveau, c'était que les Kohanim qui faisaient avec le Lulav. Je pense que c'est évident, c'est là qu'on revient la différence entre le minhag des Sfaradim et des Ashkenazes aujourd'hui, avec la Rava au Shana Rabba, quand on fait le tour de la Teva. La Teva, je vous ai dit, c'est en souvenir du Mizbeach, à l'époque du Beit HaMikdash, pour se faire expier nos fautes, on a porté des corbanotes sur le Mizbeach. Aujourd'hui, dans l'exil, il n'y a plus la possibilité d'apporter des corbanotes, mais il nous reste une chose, le Limud HaTorah. Le Limud HaTorah, c'est expier des fautes. Celui qui se donne dans l'étude de la Torah, donc c'est la Torah, on la met sur la Bima. Et on fait le tour, c'est en souvenir du Mizbeach. Les Ashkenazes ont l'usage de faire le tour de la Bima avec la Arava. Les Sfaradim, on a l'usage de faire le tour de la Bima avec le Lulav, pendant le Hoshana Rabba. Je pense que c'est évident, c'est net. C'est l'avis des Tosot, comment expliquer comment est-ce qu'il était l'usage à l'époque du Beit HaMikdash, ou l'avis du Rambam, pour les Tosot, pour les qui étaient pour les Ashkenazes, et le Rambam pour les Sfaradim. D'accord? Ça, c'était pour, concrètement, l'allure que ça avait. On faisait le tour du Mizbeach, soit avec le Lulav, soit avec les branches de la Rava elle-même. Et on chantait. Qu'est-ce qu'on chantait? On chantait Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Atzlichana. Comme ce qui. Ça, c'est le premier avis. Hashem, sauve-nous. Hashem, aide-nous. Et Rabbi Yehuda, il nous dit Ani Vahu Oshiana. C'est comme ce qu'on fait dans les Oshanot tous les jours. Ouais, chacun, que ce soit. Oshana, Oshana, Anivahu, Oshiana, Anna, Oshiana, c'est exactement ça. Et voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, Anivahu, Oshiana? Alors là, c'est toute une histoire. Anivahu, Oshiana, d'abord, premièrement, le bartender nous rapporte, on nous rachit en fait, que Anivahu, ça fait Gematria de Anna Hashem. Ouais. Ani, c'est la Gematria, ça fait 61. Et Vahu, on a la lettre Vav, Hei, Vav, ça fait donc 17. Et en fait, ça fait le rien, c'est la même gématria que Anna Hashem, supprimer 9 de Ani pour arriver à Anna,
Il va rester 9, rajouter 9 à l'autre. Au 17, vous arrivez à 26, ça fait Anna Hashem ou Anivaou. C'est la même gematria. Mais quel est l'intérêt de dire Anivaou ou Shana? Alors il explique le Tosfot. C'est apporté ici longuement dans le Tosfot Yom Tov. En fait, c'est dans le. Vous savez qu'Hashem, il a un nom de 72 lettres. C'est pas exactement 72 lettres, c'est 72 triplés de lettres. On sait comment calculer ce Shem Kadosh. On prend trois psukim de la Torah, Vaïssa, Vayet, et je sais plus d'où c'est tiré exactement dans le. Juste avant la Shirat Hayam, avant dans Parashat Beshalach, les trois psukim, Vaïssa, Vayet et je sais plus, et vous prenez les premières lettres de chacun, vous écrivez tout le pasuk jusqu'à la fin des 72 lettres, vous écrivez le deuxième pasuk dans l'autre sens. Après, vous écrivez le troisième passage dans le sens, vous allez avoir à obtenir le nom des 72 lettres. Le fameux nom, le Shema Inbet, le nom des 72 lettres. D'accord? Ça, c'est pour l'obtenir. Maintenant, dans toute cette série, vous allez avoir, si on les coupe en deux, il y en a 72, ça fait 36. Le premier et le 37e. Un, ça va être Vahou, et l'autre, c'est Ani. Donc en fait, on appelle Ani Vahou Oshiana, c'est une manière d'appeler Hashem, en l'appelant par son nom des 72 lettres. Mais quel est l'intérêt d'appeler avec ces 72? Avec ce Shem Ainbet. Alors en fait, Tosot, il nous rapporte, c'est en remèze, en allusion avec, on demande à Hashem de nous sauver de cet exil, même à l'époque du Beth Amikdash, c'est encore l'exil, le deuxième Beth Amikdash. Et on demande à Hashem de nous sauver, en lui disant que lorsque nous, on est en exil, c'est toi-même qui es en exil. En rapportant que, Vani Betor Hagola, Vehu Asur Vazikim, des psukim qui parlent en rapport avec Hashem. C'est plus délicat, en tout cas, c'est le principe. Et donc en fait, on dit Hachem, Hachem, tu résides avec nous, et nous on est en ce moment en exil, c'est toi qui résides en exil. Sauve-toi pour toi. Ne te sauve pas pour nous, sauve-toi pour toi. Pour ton honneur, que ton honneur y soit restitué. Sauve-nous d'exil en sauvant ton honneur directement. D'accord? Ça c'est pour la nuit Vahou Hoshana, et donc on a fini. Et donc la Mishnah continue en disant, le septième jour de Hoshana Rabba, on faisait 7 fois le tour du Mizbeach, comme ce que nous on a le minhag de faire aujourd'hui. Tous les jours, on fait une Hoshana, et le septième jour, on fait 7 fois le tour de la Bima, pendant Hoshana Rabba. Ensuite, Bishat Ptiratan. Au moment de quitter le Mizbeach, quand on a fini le septième jour, Maem Omrim, qu'est-ce qu'il disait? Il chantait là-bas en disant Yofilach Mizbeach. Yofilach Mizbeach. La beauté, la splendeur est pour toi, cher Mizbeach. On donnait un jevar, comme si on reconnaissait au Mizbeach que grâce au Mizbeach, on a le mérite d'expier nos fautes. Et donc on lui dit, à toi revient toute la gloire, que grâce à toi on réussit à se purifier devant Hachem. Ça c'est le premier avis. Avec les Eromer, il dit, il y a les K, les Yudkei, les, on dit pas le Shem Hachem, donc les K Valar, Mizbeach, les K Valar, Mizbeach. Apparemment, ça voudrait dire que la splendeur est pour toi et pour Hachem, le Mizbeach. Oui. Mais la grande dit, Chas v'Shalom, nous disons une chose pareille. Ça n'existe pas qu'on va prononcer un Shvar à Hachem, et qu'on va dire, oh, la gloire te revient, Hachem, et à mon rave. D'accord? Jamais on met au même titre, au même niveau, Hachem et quelque chose d'autre. C'est assour, ça frôle la Vodazara souvent. Donc en fait, ce que l'Agmara explique en fait, les cas à nous maudim, ou les cas à nous meshamchim, nous reconnaissons Hachem, et nous te remercions à toi, le Mizbeach. D'accord? Comme ça, attendez que je vérifie que je n'ai pas dit le contraire. Les cas nous maudim, ou les cas nous meshamchim. On commence à dire, c'est pas comme. Au contraire, le Rabbi Lézer, il voulait dire que ça suffit pas de juste louer, remercier, donner du kavod au Mizbeach. Il faut d'abord, auparavant, remercier la source, Hachem. Alors, les cas nous maudim, nous reconnaissons Hachem. Et à toi, Mizbeach, on nous dit merci que grâce à toi, on réussit à nous expier nos fautes devant Hachem. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov Selah.